Yego. Na hari ubutumwa navanye muri Museke wabwagiye bunyubaka nyine nk'urwo rukundo rwa Shema na batamuriza mu bantu batari bahuje byaranyubatse. Ikindi kandi nashoboye nanjye no kwiba ku bwanjye mu buzima bwanjye kuko n'uwo mwana mvuga mfite ndera nawe ntiwavutse mu buryo bumeze nk'ubwo ngubwo. Ni ukuvuga ngo muri ubwo buryo bwo yarashatse kumbwiramo ko ntacyo afana n'iki n'abahutu we yari umututsi ariko njye namukunze ntabizi niyo mbimenya kandi ntabwo byari gutuma ntamukunda kuko nari mukundiye icyo ari cyo ntabwo nari mukundiye ubwoko bwe nari mukundiye gusa ko ari umuntu w'umugabo mbona dushobora kubakana tugakora umuryango ariko we siko yabyakiriye wenda nyuma yo kubimenya twageze igihe turakundana biba ngombwa ko nterinda amaze kunterinda arantererana avuga ko ntacyo ashobora kumarira kuko first of all ikintu cya mbere ni umwana ni umuntu icya kabiri namubyaye ni imbuto y'urukundo nakunze se icyo ari cyo cyose ntabwo kigeze kimpungabanya nareze umwana wanjye na n'ubu le divisionnisme ça peut pas disparaître totalement les gens qui ont commis ce génocide sont vivants sont là. Les victimes du génocide sont aussi là. Donc ça veut dire que bon, c'est pas aujourd'hui, du jour au lendemain, que ça va se finir. Il y a les victimes du génocide qui ne sont pas encore inhumées. Ils sont là, dans des collines. Il y a des corps qu'on trouve tous les jours. Ça veut dire que c'est encore cruel, c'est encore cru. Nous avons des cartes d'identité où seulement ton nom et ton quoi est écrit. Mais les étiquettes sont collées derrière. Les familles des Hutus doivent faire des travaux pour les autres. Nous n'avons pas d'autres richesses pour dire on va survivre comme ceci, comme cela. Donc on doit vivre avec eux. Mais tant qu'il y aura l'impunité, tant qu'il y aura ces inégalités au niveau économique, au niveau politique, comment alors on pourrait se réconcilier? Non, ça n'ira pas. Those people who said no, Hutus and Tutsi, we never reconcile. No. No. It's going to be there. It's going to be. My own family, when I lost more than 146 members, but I don't really think that reconciliation is impossible. No, it is. It is possible. Maybe they won't be friends, the best friends in the world, but for the common interest, they will reconcile. The problems will be much more sophisticated than it is today. It won't be any more problem between Hutu and Tutsi. It's going to be a problem between the entire region, Congo fights, the Burundi financial crisis. That would be the country concerned and the person-to-person differences. Avant, c'était très compliqué parce que les autorités pouvaient avoir peur de dire « Ah, si on met d'autres radios, on pourra avoir des mêmes problèmes. » Mais maintenant, où il y a presque 20 stations radio, je dirais que les gens disent n'importe quoi. Effectivement, on ne peut pas dire, on ne peut pas injurer les gens ou montrer l'audivionisme à la radio, mais quand même critiquer les gens, critiquer les autorités. Et, par exemple, il y a une émission qui passe à la radio Flash où les gens appellent n'importe où, la Est, Ouest, Nord, Sud, et critiquent les gens, même les autorités. La liberté d'expression dans nos pays, on dirait que ça n'est pas arrivé à 100%. Les gens qui demandent de telles questions, dire est-ce qu'au Rwanda, il y a liberté d'expression ou pas?
Ils veulent comparer le Rwanda avec les pays d'Europe ou les pays de l'Amérique. Mais c'est pas, nous n'avons pas une même histoire, nous n'avons pas une même expérience. Vous voyez, donc on ne peut pas avoir la même liberté d'expression que les gens d'Europe ou de l'Amérique. Mais à notre niveau, je trouve que ça y est, et c'est toujours un processus. Les Rwandais se sentent plus concernés avec ce qui se passe autour d'eux. Quand la mairie de Kigali décide de détruire certaines maisons parce qu'il y a un plan de modernisation de la ville de Kigali, les gens n'acceptent plus comme ça, parce que c'est le maire qui a dit. Hein. Il pose des vraies questions, pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce qu'on va nous donner parce qu'on est habité ici? Les vraies questions. Les gens même écrivent au Parlement. C'est petit à petit, je crois, c'est un processus. Parce qu'on ne peut pas le faire d'une façon que ça se fait ailleurs. Mais je crois, avec un pays comme ça, il faut aller lentement. Mais sûrement, il faut y arriver. Donc ce changement existe et je le vois tous les jours, je l'entends tous les jours. Le processus de réconciliation demande beaucoup plus d'efforts. Faites attention aux paroles de haine, parce qu'il y a des paroles de haine qu'on peut écouter d'ici là. Maintenant, avec la technologie, avec les websites, les sites, maintenant les gens écrivent n'importe quoi. Beaucoup de choses. Et quand tu lis, ça c'est grave quand même, ça c'est grave. Quand on laisse quelqu'un dire ces imbéciles, ces cancres-là, ces animaux, ça peut créer quand même une certaine violence. Alors il faut faire attention. Il faut vraiment soigner son discours.